Yop tout le monde, donc on se retrouve sur GTA 5 Online. Donc aujourd'hui je suis pas avec des potes, je suis tout seul. Donc on va faire les objectifs quotidiens. Donc le premier c'est... Attends, merde, on voit pas bien sur l'écran. Ouais non c'est pas mieux, on va laisser comme ça. Donc le premier c'est jouer à une course sans collision. Parachutez-vous à 100 mètres. Et fête foraine montée sur un manège. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a la fête foraine pour faire un tour de manège. Voilà. Donc on va le faire un tour de grand 8. Je crois que c'est... faut payer 10$, je crois, pour faire un tour de grand 8, il me semble. Donc on va attendre pour ça qu'il revienne. Où est-ce qu'il est? Le voilà, nickel. On va aller faire un tour. Ah non. C'est gratuit. Oh, il y en a un autre qui vient là. Je sais pas ce qu'il veut. Et moi je vais faire un tour de grand 8 heures, tu repasseras. Je sais pas si c'est le même que tout à l'heure, mais quand je suis arrivé, il y en a un autre qui est venu avec une voiture pour Rav. Il a commencé à venir vers moi, j'ai sorti une mitraillette pour au cas où s'il voulait essayer de me tuer. Il a rien fait, il est reparti. Donc je suis venu faire mon tour de grand 8 du coup, mais du coup je sais pas si c'est le même ou pas. Il a déjà il a sa propre voiture parce qu'elle est tunée, donc déjà c'est beaucoup mieux. Se mettre en vue comme ça. C'est parti mon kiki. Non, c'est mieux comme ça. Même pas peur, j'lève les mains. Mais hey, t'as vu ça un peu? Même dans le virage, même dans le virage, même dans la descente, il y avait les mains partout mon perso, c'est un thug. En fait, c'est complètement pourri, mais c'est pas grave. Voilà, objectif quotidien réussi. Bah, premier objectif réussi. Bon, attends, tu t'ouvres, toi tu te dépêches pour plus de sécurité. Si l'autre veut essayer de me tuer, on sait jamais. J'ai comme l'impression qu'il est à pied. Il a pas l'air d'avoir la mitraillette. Ouais, c'est fermé. On va aller récupérer mon véhicule. On va aller à l'héliport. Récupérer un de mes hélicos. Et faire le deuxième défi. Fais gaffe toi, ne rentre pas dedans. Pegasus. Oui, je sais, j'ai pas changé mon klaxon de véhicule, mais je m'en bats les couilles. Luxor, non, je veux pas un avion. On ne va peut-être pas prendre un bus d'attaque. C'est une trappe, c'est un bateau. Je sais plus ce que c'est. Crusader. C'est quoi que ça? Je sais plus ce que c'est. La limousine, un avion, un hélico, un avion, un bateau, le pick-up. On va prendre le Swift de luxe. Tu montes ou tu montes pas? Je pense avec moi, gros. Attends, je récupère ton billet, merci. Ah, il y a un micro en plus, apparemment. Ah bah oui, attends. Chat.
tout le monde. Voilà. Comme ça, s'il reparle, j'entendrai. Ça se trouve, il me disait de monter avec lui, qu'il allait m'emmener, je sais pas où, mais je pouvais rien entendre du coup. En tout cas, s'il regarde cette vidéo-là, lui, on sait jamais, des fois qu'il regarde. Bah, je tiens à m'excuser, mais c'était par précaution que je l'ai tué. J'ai pas envie de mourir pendant ma vidéo, tranquille. Et en plus, il y a un bug de map. Je vais y arriver. Je vais dire, j'ai peut-être mis de pause, mais c'est trop tard, on arrive à l'héliport. Ça sert plus à rien de mettre pause maintenant. En tout cas, je sais toujours plus ce que c'est le Crusader. Ah si, c'est le petit 4x4 militaire, je crois que c'est ça. On va essayer de monter à 100 mètres. Bon, je dois y pas tarder y être ou y être, j'en sais rien, mais on va monter un peu plus. Feu montagne, ouais, ça c'est fait. Donc on va faire celui-là et après on va faire celui-là. On ravitera celui que j'ai tué. Il faut qu'il rejoigne. Voilà, ça doit être bon. Apparemment, c'est pas bon pour eux. J'étais pas 100 mètres là. J'étais à 99,9 mètres. Non, je sais pas. Voilà, faut que j'atterrisse sur le sol, oui. C'est ça. Parce que si je m'en rentre pas, ça marche pas. Oh mince, mon véhicule a été détruit. C'est pas finir dans l'eau. J'ai dit on va essayer de pas finir dans l'eau. Voilà. Ah si ça m'a marqué, objectif rempli. C'est bon. Maintenant on va faire une petite course sans collision. Lancer en ligne activité joueur activité. Voilà, on peut faire une course en moto. On peut faire champ de sable, champ équestre, du grand 8, tête en l'air. On va faire ça. Rockstar, elle a valu à 80% celle-là. Ah bon? Bon, on va faire celle-là alors. On va faire celle-là, puis voilà. Elle est très très courte celle-là. Comme ça me permettra de faire une petite vidéo tranquille pépère qui dure pas trop longue à regarder, qui peut être regardée n'importe quand, parce que les autres peut-être durer 1 heure ou 45 minutes, c'est déjà un peu long. Donc parcours sans collision, voilà. Si on voit à un super sportive. Hop, on va éviter toute la section, on verra bien qui c'est qui rejoint. Pire, je la fais tout seul, je m'en bats les couilles. Je suis au combien en gros? 123. Ah, je suis niveau 123 en croc. Et 127 en. 127, ça c'est sûr, c'est marqué en gros. En croc, j'ai un doute. 113 ou 123, ça a l'air d'être marqué ça. Je suis pas sûr. Ou 120, moi je sais pas. On verra le prochain coup que je monte en niveau. Qu'est-ce qu'ils me disent. Puis voilà. On va être un peu plus de monde, ce serait comme faire ça tout seul.
Et la dernière course de la session. Puis voilà. Rajeunit les gars, quoi. Apparemment, ah si, il y en a qui a rejoint. Il y en a un qui a rejoint. Alors, on lance. Bon, on attend encore un peu. Quoi. Allez, on lance. Voilà, on va prendre la TF. Non, qui a pas changé un peu. Ah si, c'est la custom celle-là. Allez, pour le plaisir, on va prendre la DER, ça fait... J'ai jamais pris pour les courses la DER. On va la prendre, tant qu'à faire. On va la prendre, tant qu'à faire. Puis lui a pris une T20, là je vais me faire niquer. Il est où? Ah, du coup, je vois pas. Ah, il a pris une T20, qu'est-ce que je disais? Non! Genre! Il y a une T20 chez Adder. J'ai réussi. Pour moi, j'arrive à être premier. Parce qu'il s'est planté au niveau des conteneurs. Enfin, le con. Oh, genre. Ah, si. J'ai cru que je l'avais pas eu. Alors, je dois... Ah lui par contre il l'a pas eu. Ouais, bah déjà si tu le prends comme ça. Ouais. Allez Jackie, ah, trop tard. Donc là c'est une petite course de merde. Il est fort, il est fort. Je suis content. Du coup, lui, il avait pas parié, fait chier. Une fois que je parie. Allez, vas-y, fais ça si tu veux. Donc là, je vais mettre pause juste tant qu'on lance la course et après, normalement, je vous montre. Ça devrait me marquer pour l'objectif quotidien réussi. Et puis, on arrêtera la vidéo là-dessus. Voilà, je remets juste. En attendant que ça marque. Ah, j'ai mis encore GTO. Hop. Donc, juste normalement, dès que je vais lancer la, dès qu'on va lancer la course, ça devrait marquer en bas à gauche objectif quotidien réussi 3000 RP et 25 000 et 25 000 dollars normalement. C'est ce qu'on gagne dès qu'on finit un objectif quotidien. Ce qui est con, c'est qu'on peut le faire qu'une fois par jour. Si j'ai réussi. Tiens, ah, vous voyez, ça me marque. Objectif rempli, objectif vous avez 20. Récompense 25 000 dollars et 3000 RP. C'est ça. Et du coup, je suis presque à la moitié du niveau 127. Bah pour être au niveau 128 plutôt. Donc voilà. Ouais. Donc on va s'arrêter là pour cette petite vidéo les amis. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Tchuss. Et à la prochaine.